Bonjour ma petite Luciole, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Oh, je viens ouvrir un nouveau vlog qui sera le 7e si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et on est lundi 8 février. Voilà. Et du coup, je voulais ouvrir ce vlog. Vous aurez vu quelques petites vidéos avant que j'ouvre ce vlog, qui devait être à la base dans le vlog 5, si je dis pas de bêtises, 5. Je ne sais plus où j'en suis dans les vlogs. Enfin, soit, comme je vous reprends, j'ai terminé un jour en décembre de Josie Fil Vert chez Pocket. Je l'ai terminé, je ne sais plus quand. Vendredi, jeudi, je sais pas si vous, je l'ai dit dans le vlog. Du coup, voilà. Je suis un peu triste. Je lui ai donné une note de 3 sur 5. Parce que on s'attendait à beaucoup de choses, en fait. La fin, je savais qu'ils allaient être ensemble comme d'hab. Mais je savais. Comment dire? J'avais un doute sur comment vous être ensemble, du coup, le plus embêtant, quoi, voilà. Et ben, j'ouvre ce vlog en même temps parce que j'ai fait quelques petits achats et je voulais vous montrer ça. Du coup, je me suis acheté, même si ça vous super léger, vous en foutez, mais je me suis pris une petite veste beige comme ceci. Elle est trop mignonne. J'aime bien, j'adore la couleur beige. Bien sûr, on a le scent avec. J'ai pris la même chose, mais en sans manche. Oh, il faut que je me nettoie. J'ai ma bouteille de coca qui a coulé. Sans manche, voilà. J'ai pour 5 euros. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ça vaut le coup. Après. Moi qui fais que des bêtises. Moi qui fais que des bêtises. C'est moi ça. Ça, je vous montre après. Je chope en fait à côté de moi. Je me suis pris un pyjama tout doux. J'aimerais bien. Je vais prendre les ciseaux en même temps. Ils sont juste à côté. Parce que c'est chiant. Je ne sais pas vous montrer. Hop. Pourquoi? Ah, voilà. Ah, du coup. Je vais couper tout ça. Bon, je le mettrai pas maintenant, mais allez, retire. Je vous montre. Ah oui, ça aussi. Hop. Je vais moitié. Super. Oh là là. C'est chiant ce machin qui colle tout le temps. Du coup, il est comme ceci. Il est trop beau. C'est Louis l'ourson avec toutes des manches. Il est tout doux. Voilà. Hop, je vais mettre ça. C'est pour donner un coup. Hop. Et on a le pantalon qui va avec. Qui est comme ceci. C'est le même. Hein, le bord est comme ça. Voilà. On ne voit pas trop bien. Mais c'est juste Willy l'ourson. Porcinet. Briquet. Voilà. C'est tout doux. C'est pour ça que je l'avais pris. Et qu'il y avait en grande taille. Ça s'est retiré. Je me suis pris un Posca blanc. Voilà, je vais tester ça sur mon bullet. Enfin, j'avais acheté un bullet journal tout noir. Et j'ai envie de faire dessus. Hop, je vais retirer le plastique. Voilà, il ressemble à ça. C'est un Posca. J'essaie d'avoir le plastique sur le cou. Hop, pour retirer quand même. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. J'ai pas encore testé, je viens de l'acheter. Du coup, voilà. T'as pas l'air d'écrire. J'espère que je me suis pas fait avoir. Je sais pas. Voilà, je vais le mettre sur mon bureau quand même. Bon, le premier sac il est fini. On va enlever dans le deuxième. Quand je jette tout ça aussi. Alors,
du coucou comme ça. Je me suis acheté des petits chouchous comme ceci, des petits chouchous. Alors on a un noir avec des petites têtes de Mickey. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. J'essaie de vous montrer. Voilà. On a un rose avec aussi plein de têtes de Mickey. Et celui-là, il est tout blanc. Voilà. J'ai payé 3 euros pour 3 chouchous. Voilà. Comme ça, et je me refais un petit glow parce que... Voilà, voilà. Les élastiques, je les paume tout le temps. Du coup, je me suis en pris quelques-uns. Enfin, j'en ai pris que 3. J'avais dit que j'en prendrais d'autres. Je me suis pris un joli t-shirt Stitch. Il est trop beau. Voilà. Il est trop, trop, trop beau. Il me le fallait. Ouhana. Ouhana. Voilà. Voilà. Après, j'ai pas pris grand-chose. J'en ai déjà eu pour pas mal de sous. Après, celui-là, je l'avais vu. Et j'y disais, j'espère qu'il aura encore. Et j'ai eu de la chance et qu'il est encore. Du coup, c'est un pull marqué à Disney dessus. Il est trop beau. Je sens que je vais mettre souvent aussi celui-là cet hiver. Et alors, la dernière chose, ça, ce sera plus, je pense, pour moi, aller quand j'irai. Je sais pas si je les garde pour aller à la piscine ou à la plage. À la mer, je sais pas, où je les mets à la maison. Oui, j'essaye déjà. On dirait qu'ils sont abîmés. On me dit pas que j'ai pris des abîmés. Du coup, c'est des petites pantoufles en genre de plastique avec la tête de Minnie et de Mickey. Je trouvais ça joli. J'ai même pas comment ça donne. Bon, avec mes chaussettes, c'est pas le top. Ouais, on est pas mal dedans. Pour rester à la maison, je sais pas. Voilà, je me suis pris ça comme petite paire. Et alors, j'ai été bien sûr... En fait, j'allais pour rechercher un livre que j'avais commandé. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Mais j'ai craqué pour d'autres livres. Je me suis pris celui-ci. Flonjingle, je sais pas. J'ai entendu assez pas, souvent en parler. C'est de chez Pocket. Hugo Pocket, la collection de nouveaux romans, c'est Fleur Anna, Anne, voilà, voilà, il est à 7 euros, ça je vais les mettre là sur le côté, et je vais le marquer quand même, oh ben au même prix, alors, j'ai pas encore lu, vous savez que j'ai même pas lu le résumé, mais j'ai entendu parler que du coup je me suis pris, on boit pas bien là, je suis plat plat aujourd'hui, on va redescendre un petit peu. Je vous redescends. Voilà, voilà. Du coup, à l'aude de la trentaine, Sarah John Mass, sa vie comme elle l'entend, mais modérée. Oh, ça va commencer. Je suis fatiguée, j'ai un coup de pompe là, je sais pas pourquoi. J'ai mon chat qui fait le fou. Bon écoutez, si vous avez envie de lire le résumé, allez voir sur Amazon, vous marquez le titre et vous allez le trouver. Je suis vraiment pas à ça pour le moment. Après, je me suis pris, celui-là je les ai déjà mais je vais les revendre, je vais le sortir bien sûr. Hop, 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 hop. J'ai fait tout tomber. Du coup, oh c'est pas possible. En fait, j'ai... Bah, c'est le tome 2, mais c'est pas grave. Je les ai comme ceci. Et moi, je me suis pris comme cela en pocket. Voilà. C'est le tome 2. J'ai le tome 2 et le tome 1 comme ceci. Bah, je pense que je vais les vendre. Voilà. Je sais pas encore. Voilà. Pourquoi pas. Je sais pas si j'ai marqué comment. Ah oui. Il y a une séparation comme ceci. Je me dis pourquoi pas, il fait un peu moins de 200 pages le tome 1, voilà. Du coup j'ai le tome 1 et 2 qui est pas mal, voilà. Et comme j'avais que le tome 2, le 1 et le 2, je me suis pris le tome 3 et 4 dans la même collection, voilà. Je me suis dit pourquoi pas, lui aussi je suppose qu'il y a une séparation.
Je sais pas où. En plus, celui-là, je viens de me le plier et je râle. Il est où la séparation? Je sais pas, je regarde. Pas grave, hein, je suis folle. Non, je sais pas. Je vois pas de séparation. Enfin, soit, voilà. Ils sont trop beaux. Mais j'hésitais vraiment de les prendre comme ça parce que je sais pas où il est le tome 1. Mais ils sont beaux aussi comme ça. Voilà. Ils sont en grand format ceux-là. Du coup, voilà. Et j'allais chercher pour celui-là à la base. Celui-là. Je me suis pris un palais d'épines et de roses. Par contre, je sais pas les éditions. Je sais pas l'édition. De Sarah Dumas. Voilà. Tout le monde le lit pour le moment. Et du coup, ça m'a tenté. Voilà. Et pour le moment, j'étais en train... Enfin, j'ai commencé hier soir... comment j'ai commencé? Attendez, je reviens. Je fais pause. J'ai commencé celui-ci hier. C'est de Lune Ardente, Premier Cirque, Crépuscule, de Morgan Krugraff. J'ai Plume Blanche. Voilà. Voilà. J'ai commencé, je suis à 21 pages. Mais je sais pas si je vais continuer. Je vais encore tester après-midi, lire un petit peu. Mais j'ai un doute quand même dans... C'est pas mon jour de livre, du coup, ça me fait un peu peur. Bon, je vais continuer. Je verrai bien, je vais essayer de lire une cinquantaine de pages. Et si j'accroche pas, c'est pas que j'accroche pas, c'est que l'univers est fort développé. Et il faut être vraiment... à fond dans l'univers et pour le moment je suis pas à ça. Du coup si pas, ben je prendrai un petit livre doudou et je lirai un autre. Voilà. Je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà lu. Il est très beau, j'aime bien la couverture. En plus le tome 2 est sorti et c'est en deux en juste deux tomes. Du coup je me dis que si j'avais fini celui-là pour le mois prochain, je me prendrai le tome 2 et comme ça j'aurai fini la saga et ce serait plus vite clos pour ce beau bébé. C'est vrai que c'est un beau bébé quand même. Je sais plus combien il fait, page 400. Ouais, 400 pages, je crois. Même pas, 399 pages pour vraiment dire. Allez, on va dire 400. Ouais, 401 avec le résumé. Et regardez cette illustration qui est magnifique. Voilà. Et du coup, on va suivre ces deux loups. Le loup blanc et le loup noir. C'est des jumeaux, si je me dis. Comme j'ai lu dans les... C'est des jumeaux. Ils vont être séparés parce que un, ça va être le soleil. Et l'autre, ça va être la lune, si je ne dis pas de bêtises. Parce que comme je suis qu'à... 21 pages. Voilà, quoi. Du coup, voilà. Je ne sais pas plus, je ne sais pas vous résumer plus que ça, mais il est très beau. Regardez. Et même on peut faire comme ça avec l'autre côté. Il est trop beau. La collection des plumes blanches, je trouve magnifique. Voilà. Maintenant, je vais essayer. Voilà. Heureusement, j'ai pas envie de le revendre celui-ci parce que franchement, j'ai envie de mettre dans ma... Même si je ne lis pas, je pense que je prendrai le tome 2 et je le mettrai dans ma bibliothèque tous les deux ensemble. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce format, il est très très beau. Voilà. Oh, j'ai mon nez qui... Désolée. On coupera ça au montage. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, il faut que je rende tout ça. Je suis fatiguée, j'ai un coup de... Pourtant, j'ai pas fini. J'aimerais bien faire les litières de mes chats, mais je pense que je vais faire une pause là, il est midi 5. Essayer de manger un bout quand même et faire un gros dodo. Non, une petite sieste d'une heure. Parce que là, je sais pas ce que j'ai des nausées. Voilà, j'ai le nez qui est à combre avec ce qu'il fait. Je sais pas si vous aussi, mais là, on est à moins 8. Et je suis... Il y a plein de neige, il y a 5-6 cm, pour pas exagérer, parce que je pense qu'il n'y a pas plus. Bien 5 cm, ça c'est sûr.
des endroits sur les voitures qui sont pas dégagées. Et du coup, voilà. Et ça glisse sur les trottoirs. Voilà. Et du coup, je sais pas si j'ai. Ouais. Ah oui, je peux vous parler de deux livres que j'ai terminés dimanche, par contre. Ça aussi, je peux vous en parler. Je suis blonde. J'ai terminé. Il faudra que je fasse mes posts. Je fasse des photos. J'ai terminé Heartstopper 3, Un voyage à Paris. J'ai adoré cette série. Je ne suis pas déçue. Je suis triste d'avoir fini, par contre. J'avais pas envie de le lire, mais je me dis, on va quand même le lire. Tout le monde en parle. Voilà. En fait, on va suivre deux. Enfin, je vous ai même pas dit. C'est Alice. C'est de Alice Osman, le tome 3 de la collection Hachette Roman. C'est du jeunesse. Enfin, je crois que c'est du jeunesse. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, on va suivre les deux garçons là. Il y en a un qui est homo et l'autre, il est à la base, il est pour les filles. Et dans l'histoire, on va les suivre et à un moment, le deuxième garçon, je sais plus lequel, je ne sais plus, c'est blond, noir, enfin, soit. Et je crois que c'est celui-là. Celui-là qui va à la longue de rester avec lui. Un truc qui va se. Ah, oh, moi je trouve plus mes mots, je suis fatiguée. Déclenché, voilà. Et il va avoir une petite relation entre eux. Mais il va avoir plein de choses parce que pour tout le monde, il est pour les filles. Et du coup, c'est compliqué. Il faut qu'il fasse son. Oh, comment on dit? Oh, je sais plus. Oh, je ne sais vraiment plus. Enfin, vous voyez, il doit faire son coming out, coming out, ouais, je ne sais plus, enfin un truc comme ça. Il doit le dire à tout le monde, quoi. Et c'est compliqué de le dire à ses copains et tout ça. Bah, c'est jamais facile, voilà. Même si les copains, ils avaient des petits doutes, voilà quoi. Et on va ici, on va suivre avec une autre histoire parce que j'ai l'histoire bonus là, une histoire bonus de Toro et Tala. Ces deux filles aussi qui sont amoureuses. Et du coup, on va les suivre. Et c'est vraiment chouette. Je suppose que je vous ai pas montré les dessins, mais franchement, ils sont trop beaux. Voilà. Ça, c'est une des filles qu'on va suivre en parallèle. Elles sont lesbiennes, il est marqué juste là en plus. Voilà. Les dessins sont super. Voilà. J'ai adoré. Je l'ai terminé hier. Enfin, j'ai commencé samedi. En fait, samedi, je me suis levée, je me suis apprêtée et pour attendre, j'attendais monsieur. Et du coup, j'ai commencé quelques pages et j'ai terminé hier. Voilà, j'ai mis 2 jours, mais j'avais pas envie de lire d'un coup parce que on est bien dans dans ce livre un peu doudou. Et hier, là, je l'ai lu complet. J'ai lu La boîte à musique à la recherche des origines. De chez Dupuis et c'est, je sais jamais le nom, Gigi, Gigi, Gili, Cambon. Voilà, enfin, soit, il est trop beau. Je sais pas si vous vraiment. Là, il y a un petit renfoncement. Je sais pas si vous voyez, là, un renfoncement. Là, vous avez l'image. C'est trop beau. C'est le tome 3. Je vous montre quand même quelques planches. C'est assez coloré. Il est abîmé, ça m'ennuie, mais c'est en mettant mes livres un peu partout, comme j'ai plus beaucoup de place. Voilà. Du coup, on va suivre. Ah, c'est mes lunettes. On va suivre cette fille. En fait, dans le tome 2, elle a découvert une boîte à musique. Enfin, c'est ça, c'est une boîte à musique. Et dans cette boîte à musique, il y a un secret. En fait, elle avait perdu sa maman et du coup, c'est la boîte à musique de sa maman. Et du coup, en la faisant aller, elle va retrouver dans un monde parallèle. Je sais plus le nom du monde. Je ne sais plus son nom du monde. Et du coup, elle va rencontrer un autre monde
qui est très beau. Et du coup, voilà. Et il faut lire l'histoire parce que je ne peux pas vous raconter le tome 3. Mais il est trop bien. J'ai le tome 4 qui m'attend. Mais j'ai pas envie de me plonger directement dedans. J'ai envie de faire traîner les choses parce que quand c'est des livres comme ça, franchement, en plus ça se lit vite. J'ai les coins vraiment tout abîmés. Je sais pas si vous allez voir là peut-être. Là, le coin abîmé, l'autre ici aussi. Là aussi, ça m'ennuie, mais voilà. C'est trop chouette. Et puis, regardez, même la couverture est trop chouette. Je crois, l'autre côté aussi. Regardez, l'autre aussi. Franchement, c'est trop des livres un peu doudou. J'ai terminé jeudi ou vendredi celui-là, que je vous ai montré. Et du coup, on ne savait pas quoi lire. Et en plus, je devais vous mettre mon vlog samedi, mais j'ai pas eu. Enfin, j'ai eu l'occasion de le mettre, mais j'ai un petit truc qui m'a pas plu en fait. Monsieur s'est retrouvé sans PC samedi jusque dimanche. C'est ça? Oui, parce que samedi il a travaillé. Non, samedi il a pas travaillé. Dimanche, vendredi. De vendredi à samedi. Ah, de vendredi. Vendredi, il a été déposé son PC. Et samedi, du coup, vendredi après-midi, il s'emmerdait. Et du coup, il a dormi dans le lit, juste derrière moi. Et moi, monter le vlog, lui, derrière moi, ça m'énervait en fait. Du coup, j'ai pas monté le vlog. Et j'ai pas montré. Et samedi, j'étais pas là parce que j'étais chez sa mère, c'était son anniversaire. Et puis, ben, je suis revenue et logiquement, on devait aller directement chercher son PC. Mais à l'heure où on allait aller, il allait déposer son fils chez sa grand-mère, chez sa mère, enfin, la mère d'un des deux, je ne sais pas lequel. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas aller dire bonjour à ma mamie. Voilà, c'est sur le chemin. Enfin, c'est un petit détour quand même, parce qu'on a dû revenir, mais. Du coup, j'ai été dire bonjour à ma mamie, voir comment elle allait et tout ça. Et quand elle nous a sonné, ben, on a été chercher son PC. Je suis rentrée quand même à 9h30 pour son PC. Et puis, il est rentré, il a recordé tout ça, il a rangé un peu son bureau et voilà. Et moi, j'ai fait tout. C'est comme hier, 7h30, j'étais dans les bras de Morphée. Je suis fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai. Est-ce que c'est le moral qui n'est pas bon? Je sais pas, pour le moment je suis pas. Je ouvre même le vlog, je suis même pas sûre que voilà, je vous le reprendrai de la semaine parce que. Voilà. J'ai plein de choses à faire, mais voilà. Ici, j'ai fait ma vaisselle, j'ai sorti ma viande, j'ai fait un rangement d'un tiroir, j'ai cherché après le chargeur du PC portable, je l'ai trouvé, voilà, et j'étais chercher mon livre. Qui m'a pris du temps parce que je suis partie à 9h, je crois. Je suis partie à 9h et je suis revenue ici vers 10h30. Ouais, un peu plus de 10h30. Ouais, moins 15, moins 10 qui était. Du coup, voilà. Et quand je suis rentrée, j'ai fait vite mon tiroir. J'ai mis sécher la machine de monsieur. Ouais, voilà. Voilà. J'ai géré mon. Et maintenant, je suis là avec vous et ça fait plus de 23 minutes que je parle. Pour rien! Du coup, voilà. Parce qu'en plus, il faut que je regarde parce que je fais des vlogs d'une heure et demie. Et qui va regarder un vlog d'une heure et demie? Je vais me faire. Voilà quoi. Bon, là, maintenant, il est midi car je vais aller manger un petit bout. Ça, j'ai dit que je gardais. Un mini bout. Et puis, je sais pas ce que je vais faire. Je vais me reposer peut-être une demi-heure, une heure. Et après, je vais faire les litières. D'aimer monstre. Voilà. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bonjour, petite Luciole. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends dans ce vlog. On est mardi 9 février et j'ai quelques trucs à vous dire. Voilà. Du coup, j'ai commencé Lune Ardente. Je vous l'avais dit hier. Mais je vais stopper là aujourd'hui, enfin hier soir. J'ai continué à lire hier soir. Je suis arrivée à la page 40.
J'ai envie, et, comment dire, j'ai envie de l'arrêter, mais oh. J'ai envie de l'arrêter et pas l'arrêter, c'est compliqué à dire, mais il faut tellement être dans ce bouquin, être bien concentré, que je pense que si je vais en vacances, lui qui vient venir avec moi, parce que j'aurai plus de temps à me concentrer, concentrer dans ce bouquin. C'est pour ça que là, je vais arrêter. Je suis triste de l'arrêter. J'aime pas arrêter comme ça un bouquin, mais je vais pas me faire du mal pour rien. Pourtant, il a l'air trop chouette. Ça me fait chier. Ça me fait royalement chier. Je le dis clairement. Bon, maintenant, dans un coup de tête, je pourrais peut-être le reprendre. Hein, je ne sais pas. Mais là, je sais pas. Je suis pas dans un mood où j'ai envie de me concentrer. Parce qu'il faut se concentrer ici. Il y a une carte. Je vous ai pas montré. Attendez, je vais vous montrer ça. Si je la trouve. J'ai déjà passé là. Ouais, il y en a plusieurs, je crois. Je cherche, excusez-moi, excusez-moi de vous embêter. En fait, voilà, il y a la carte juste ici. Et il faut souvent y retourner quand il parle d'un pays qu'on ne sait plus lequel. Ouais, du coup, je n'ai pas envie. Du coup, voilà quoi. C'est quand même assez. C'est une belle histoire parce qu'on parle de la lune et on parle de humains et d'animaux. J'aime bien le sujet. Maintenant, je sais pas. Là, je suis à un mood où j'ai eu un doute de l'arrêter, de le reprendre. Voilà quoi. Parce qu'il y a même des trucs. Il faut que je me concentre trop, 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 trop. Bon, je sais pas. Je vais voir tantôt si je continue ou pas. Là, j'ai eu un petit colis. Du coup, oui, c'est Amazon. C'est moi qui l'a trouvé. Hop. Pris. Moi, je sais c'est quoi. Je pensais pas avoir celui-là. Mais il est trop beau, trop beau, trop beau. Bon, ça, on mettra à la poubelle. C'est un livre qui me tentait bien. Fort. En plus, il a l'air trop pas mal. Je sais même pas si je vais pas me plonger dans celui-là, en fait. Je suis un doute. Du coup, c'est Cendrillon. Il était une fois Langdiguel. 2.0. C'est de Astel Poston. De chez Lumen. Oh, regardez cette couverture. C'est l'histoire de Cendrillon dans notre époque, si je me dis pas de bêtises. Ben, je vais vous lire un peu le résumé. Il était une fois la plus geek. Ah ouais, c'est la Cendrillon geek. Voilà, c'est ça que. C'est ça qui m'avait plu en fait dans le résumé. Le plus geek des Cendrillons. Quand Elisa Winterman, fan de la première heure de Staffilon, apprend que cette sage. Culte, la meilleure série des assistants finance, tous les temps va être adoptée au cinéma. Elle explose, mais à son nom, son casino. J'arrive plus à parler. Annonce que le casting est de la douche froide, comme ont-ils osé donner le premier rôle à Darien Promade? From star des séries légères pour adolescents. Après des années de brimanté, un fil par les deux demi-sœurs et sa triamatique belle-mère. Pour Ellie, c'est l'enfer du top. Elle hâte de voler enfin de ses propres ailes pour après avoir dernières années du lycée. En attendant, elle démonte
le preuve d'Arien à longue de poste en flamme lance l'assurance de la garder surprise du autodit danse de plus en plus large. Une lecture d'amour de culture geek, mais aussi une lettre d'amour tout court. Cendrillon 2.0, Inadougre. Le trilogie. Il a l'air vraiment pas mal. Enfin, si vous voulez, si j'oublie pas, mettrai. Parce qu'il est long. J'ai lu une partie de là et là. Il est très long. Il est à 16 € chez Lumen. Traduit en anglais aux États-Unis. Mais il est beau. Ça fait un peu enfantin. Je pense, même si c'est pas de la jeunesse. Il a l'air vraiment très beau. Et alors, vous avez des petits messages. Ça, c'est des trucs de messages de téléphone. J'ai vu qu'il y avait un poste plus haut. Regardez, là, c'est des messages. Ouais. Hop. Je pense qu'il va se lire un peu plus vite. Et les chapitres sont beaux. On va suivre, du coup, plusieurs personnes, si je vois. Voilà, Darien, Elina. Je ne sais pas pourquoi, mais je commencerai bien aujourd'hui. Je ne sais pas, j'hésite. De toute façon, aujourd'hui, je suis dans un mood bizarre. Bizarre, bizarre. Il y en a encore un qui doit arriver, je ne sais même plus c'est lequel. Mais demain, c'est quoi qui va arriver? Il y a le poids des sentiments que j'aimerais bien me prendre. C'est un MM. Mais quand je vois, il est à 18 € et quand je fais pour commander, il passe à 20 €. Je ne sais pas pourquoi. Il passe à 20,60 €. L'article est à 20,60 €. Du coup, ça me pèle radada. Moi, je vais pas acheter pour 50 € pour lui faire plaisir à Amazon. Non, 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 je veux pas de chèque repas. Il serait livré le 20. Hein? Oh, d'accord. Il se serait livré samedi, alors ça ne va pas. Ça va pas, ça va, ça va pas. Je vais pas rigoler après. Voilà, j'ai pas regardé du coup lequel que je veux encore avoir. C'est lequel? Ah oui, c'est Rose éternelle. De la belle. Et la celui aussi il est pas donné, mais franchement c'est une pipite. Regardez, même le c'est très beau. Voilà. Et voilà, je ne sais pas, j'hésite, je sais pas, je suis indécis pour le moment. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai tout qui me plaît et j'ai rien envie de lire. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Bah, si je lis pas, tant pis. Hein. Faut que c'est que je dois pas lire pour le moment, c'est tout. Voilà, faut que j'ai ma poubelle là qui. Bonjour mes petites lucioles. J'espère que vous avez. J'ai la voix un peu rock, mais il est 8h01 et 8h01. On est mercredi. Oui, on est. Non. Oui, je ne sais plus. Oui, mercredi matin. Et mercredi, il est 8h. Je reprends ce vlog. Et en pyjama. On a bien chaud dans ce pyjama. Je suis triste que j'en ai pas un deuxième. Woody, descend. Descends. C'est le matin. Le chat fait des bêtises. Voilà. Je viens juste à peine de terminer de déjeuner. Je voulais vous prendre parce que je pense pas aujourd'hui que je vais beaucoup vous prendre. Oh, je vous ai pas la date. Si. On est le 10 février, mercredi. Si je dis pas de bêtises, je suis fatiguée. Et j'ai plein de choses qui me travaillent dans la tête. Du coup, je vais vous expliquer ça après. Vous allez voir pourquoi je ne sais plus quand on est.
Oui, c'est ça. On est le 10 février. On est bien mercredi. Voilà. Voilà, je voulais vous reprendre là maintenant parce que je ne suis pas sûre de savoir vous reprendre aujourd'hui. Peut-être vers 3-4 heures. Mais le problème, c'est que monsieur sera là. Du coup, c'est pas le même quand monsieur est là. Du coup, je vous reprends. Je me suis levée tôt. 7h30, je me suis levée. Un peu plus, je crois. Je sais plus quelle heure exacte. Enfin, 7h, je suis réveillée depuis 7h, mais je me suis levée il y a un moment déjà. Hein, parce que tant que j'efface leur donner leurs bonbons au chat, m'occuper de lui qui fait le fauf là, de déjeuner. Voilà. Et j'ai ma mèche là qui m'embête. Elle repique à chaque fois. Voilà. Du coup, je voulais vous reprendre. J'ai choisi ma lecture. Il était enfin temps. Et du coup, j'ai commencé par ça. Love in lingerie. Comment résister à l'interdit. J'ai commencé ça hier soir. Je suis page 36. Franchement, hier, j'avais vraiment pas envie de le lâcher. Mais j'ai arrêté parce que je me dis qu'il fallait quand même que je dorme un peu. J'avais mal dormi les jours précédents et aujourd'hui j'ai dormi comme un bébé. Je me sens en forme, en tout cas. Même si j'ai des choses qui me tracassent beaucoup, parce que hier en fait, je vais vous dire. Oui! En fait, ça c'était de. J'ai prévu, hein, ma tontine devait rentrer pour. 1 ou 2 jours à l'hôpital. Mais t'as fini? Me couper la parole comme ça? Est-ce qu'on va lui remettre, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour élargir le truc près du cœur, en fait, voilà. Mais ça, on le savait, c'est même pas une petite opération, c'est un petit trou, on passe, on met le stent, je crois que ça s'appelle un stent. Et on a pour agrandir le. Je crois que c'est le flux du sang ou un truc comme ça, enfin soit. C'est une bête opération qui se déroule logiquement sur la journée. Enfin, elle rentrait hier soir et normalement elle est déjà partie se faire ça. C'est une sur le matin. Et logiquement, elle sort ce soir, quoi. Et ça, il n'y a pas de problème. Sauf si on doit en mettre plusieurs. Si elle en met un, elle sort aujourd'hui. Si elle en met deux, elle sort demain. Pour la surveiller. Ça, c'était de base. Mais la chose qui n'était pas prévue pour moi, logiquement, c'était ma mamie qui devait s'occuper de mon tonton. Enfin, mon papa allait chercher. Parce que mon papa va manger chez ma mamie. Il allait. Chercher mon tonton, c'est sur son chemin, et ils allaient manger tous les trois, quoi. Et mon papa irait leur conduire chez lui après avoir mangé, quoi. Tout ça, c'était logique. Mais non, hier soir, enfin, hier de la journée, ma mamie a fait une petite. C'est pas une chute, mais en fait, elle s'est croquée le pied. Du coup, elle ne sait plus marcher. Du coup, ça me tracasse parce que voilà. Après, je vais lui sonner voir si ça va. Du coup, hier, ma tontine qui m'a sonné, est-ce qu'elle avait oublié son chargeur de téléphone? Du coup, je sais même pas pourquoi elle me l'a fait prendre. Hein. Si son téléphone est chargé, il tient bien les 2 jours. Hein, mais enfin, soit. Du coup, j'ai été chercher son chargeur, je t'ai lui apporté et je suis repassée chez ma mamie. Pour voir, parce que moi ça me tracasse, j'aime pas comme ça. Du coup, elle a dit qu'elle allait dormir dans le fauteuil en bas, qu'elle doit monter en haut pour. Enfin, je sais qu'on monte toujours en haut, mais voilà, elle dort en haut quoi. Et ici c'était pas possible. Du coup, je lui ai redescendu ses coussins pour qu'elle se mette quand même un peu mieux pour elle dormir. Je vais chercher sa couverture. J'ai fermé ses volets. J'ai mis son sac poubelle. Parce que aujourd'hui c'est le sac poubelle. C'est pour ça que je sais qu'on est mercredi. C'est ça que j'étais en train d'hésitation. Voilà. Mettre son sac poubelle. J'ai tout refermé à clé chez elle. Voilà. Pour qu'elle repose le maximum son pied. Mon papa l'a mis de la crème et bandé pour que. En essayant que ça ne gonfle pas trop.
Voilà, du coup, c'était pas prévu, mais là, dans 1 heure ou 2, je dois descendre chez mon tonton pour aller lui faire à manger. Voilà, du coup, je dois aller faire des courses. C'est pour ça que je suis levée tôt. Parce que je dois aller chercher un morceau de viande. Je sais pas encore, j'hésite. Comme ma tantine, elle aime pas, je pense que je vais lui prendre une côte à l'os. Je vais lui prendre une côte à l'os et je ferai ça peut-être avec des poireaux et une pomme de terre, quoi. Comme ça, il aura ce qu'il faut pour lui manger. Je vais lui faire ça vers midi. Vers midi, midi et demi, il mangera ça. Et comme ça, il aura mangé. Mais je ne sais pas quand je reviens parce que c'est mon papa qui vient me chercher. Mon papa qui vient me chercher vers 11h. Voilà. Je sais pas si je vais faire les courses en même temps que lui. Je descendrai peut-être bien après pour voir. Voilà. Du coup, je vais arriver là-bas. Ouais, je crois qu'à 11h, c'est bon si je fais les courses. Je vais chercher un morceau de viande. Et comme ça, après, ben, j'irai éplucher les pommes de terre. Je reste un peu près de lui. Je vais prendre ce qu'il me faut pour. Je prendrai mon bouquin pour lire. Et voilà, comme ça je reste près de lui un petit peu. Et m'occuperai d'Afifi aussi, de Myrtille. Voilà, maintenant il s'est calmé, il regarde par la fenêtre, c'est bien. Du coup, voilà. Voilà. Moi, c'était pas prévu. Moi, je pensais rester chez moi. Aujourd'hui, j'avais prévu de donner un gros, 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 gros coup de torchon chez moi. Voilà. Ben, j'espère que. Et normalement, jeudi, je devais aller chez ma tantine donner un coup de torchon. Aussi, je sais pas quand je vais nettoyer chez moi. En plein, si je vais demain, je ferai peut-être vendredi matin, donner un coup de torchon. Il faut que je me lève pas trop tard non plus vendredi parce que monsieur il finit à 1h30. Il faut que ce soit fait avant qu'il rentre. Voilà. Du coup, je pense faire. Ouais, si je vais nettoyer jeudi, je ferai ça. Du coup, je sais pas si ce vlog va pas se terminer un peu plus tôt que prévu. Mais enfin, vous savez déjà que ma lecture, c'est celui-là. Là, je suis loin d'avoir fini. J'ai lu 36 pages hier soir. Parce que hier soir, je suis rentrée quand même assez tard. Monsieur a fini à 4h30. Il est rentré, il s'est changé et je suis partie presque directement chercher le chargeur chez mon tonton. Partir à l'hôpital, lui donner le chargeur et puis le chargeur, je suis repartie chez ma mamie et là il était 7h30 je pense. Moi c'est 6h30. 6h30 et en repartant, j'ai dit à monsieur j'ai vraiment pas envie de cuisiner là. Et du coup, on a été chercher Quick. On a mangé en vitesse hier soir à un Quick. Voilà. Du coup, j'ai mangé quick. J'ai raté mes feux de l'amour, j'allais dire. Demain nous appartient et si tout et si tout commence, enfin c'est si et si tout commence et puis demain nous appartient. Du coup, je l'ai raté hier. On a mangé quick et puis ben, je me suis mis à mon aise et je me suis mis au lit vers 8h30 je crois et j'ai lu. Les 20, 38, 36, 36, j'ai dit 36 pages. Du coup, je vais vous lire le résumé, comme ça vous allez comprendre. Ça a l'air pas mal, franchement. J'étais déjà attirée dans ce livre. Par contre, c'est un livre interdit aux moins de 18 ans, je pense. C'est vraiment un peu parce que le peu que j'ai déjà lu. C'est quand même chaud chaud quoi. Voilà. Et en plus c'est trop beau il y a un petit soutien et petite culotte. J'aime bien le début de page comme ça. Et c'est presque partout. Voilà, j'ai raté. J'ai lu deux chapitres, je crois. Voilà, je commence le troisième chapitre. Voilà. Du coup, on va. En fait, c'est l'histoire de. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, je vais lire le résumé, j'aurai plus facile.
Je l'ai engagée pour qu'elle redresse ma société, pour ramener Marc Lingerie à la vie. Je n'avais pas prévu qu'elle devienne amie. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux d'elle. Ça, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà assez pour le petit résumé que je viens de dire. La règle numéro une dans les affaires, c'est de ne pas avoir de relation avec ses employés. Je pense il n'y a pas d'autre qui est interdit de s'en prendre à sa meilleure amie qui interdit d'imaginer les courbes de son corps ou de la façon dont elle reprendra son souffle si je la baisse. Sa culotte est descendue et la fermeture éclair de son patron. Mais Oudi! Sur 2 secondes là. Mais maintenant, je n'en peux plus d'attente. J'ai décidé de jeter les règles à leur ortie, ortie, les orties. Au diable, l'entreprise. Au diable, mon amitié. Au diable, mes peurs. Voilà. Oui, c'est pas à mettre dans tous les mains. Et j'ai acheté un nouveau marque-page avec des bibelots. Trop beau. Et là, je ne sais même pas ce qui est marqué dessus. Believe. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, il est trop beau. Mais c'est un tout petit, du coup, je pense qu'il va se terminer vite. Il fait plus de 300, quand même 300 pages. Mais ça, c'est ma tasse. Voilà. Il me donne très 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 envie là de me mettre dans mon fauteuil et de lire pour vous dire. Il y a longtemps que je n'ai pas eu ça. Là, je vais m'habiller. Et après, je ne sais pas quoi faire. Pourtant, j'ai plein de choses à faire. Mais voilà, j'ai OK. J'aime pas quand j'ai OK. Je vais ranger ma table. Il faut que je la lave parce que je viens de voir qu'en déposant mon livre, il y a un truc qui collait dessus. Du coup, je vais laver ma table. Je vais ranger un petit peu mon chez moi. De toute façon, je vais pas commencer à faire des grands chipotas parce qu'il est déjà 8h15. Tant que je m'apprête et tout ça, il sera un peu moins de 9h, mais on ne sera pas loin. Et logiquement, 1 heure après, il vient me chercher mon père, quoi. Du coup, voilà, je ne serai pas faire beaucoup de chipotas. Mais. C'est vrai que j'ai pas pensé. J'aurais dû mettre les papiers là au carton. C'est pas grave. Faut que je continue aussi les perles. Demain, il faut que je fasse ça aussi. Je suis fatiguée. Enfin, aujourd'hui, non, je suis en forme. Mais je suis fatiguée de voir tout ce qu'il y a à faire en fait. Et ce chat. Vous voulez pas un chat? Je vous l'attrape et je vous le donne. Je lui vous le donne. Je vous le donne. Attendez, je reviens. Voilà le petit diabiès, le petit démon de la maison. T'es concentré sur la caméra? Oui, ah mais vous voyez pas. Vous voyez là, il y a la photo que je vous ai dit hier. Il y a moi et la reine de cœur. Et 1 cm. Vous voyez, là, vous allez voir mon autre chat. Ah, ne glisse pas. Parce que j'ai avec le chat. Vous voyez, là, vous voyez mon autre chat. Et de là, monsieur, ici, il saute sur la photo. Du coup, hier, il me l'avait arraché. Et quand Papounet est rentré, il me l'a remis parce que je suis trop petite. Du coup, voilà. Mais c'est le petit démon de la maison, ça. C'est monsieur Woody. Voilà, je vous le présente comme si vous ne le connaissez pas encore. Regardez ça qu'il est grand. Regardez. Mais arrête de me faire mal! Regardez ça. S'il veut bien se laisser prendre. Regardez ça. Regardez ça. Quel gros badon. Les gens vous t'entendent. Les gens t'entendent rouspéter. Les gens l'entendent rouspéter. Allez, fais rouspéter ta maman. Rouspéter ta maman. Regardez là qui mord là. T'as fini de râler comme ça. Regardez là, il mord. Vous avez vu ça?
Monsieur, il aime pas faire des câlins. Il n'aime pas d'être pris. Maintenant, il va aller se venger sur sa sœur. Hein? C'est un râleur fini. C'est comme son papa. Pourtant, je lui fais pas mal. Hein. Regardez, je tiens à peine. J'ai juste mis ses pattes comme ça. Je tiens pas. Regardez, je tiens pas. Je fais juste le soutenir, quoi. C'est un râleur. Hein, t'aimes pas, hein? Mais toi, faire des bêtises, tu peux bien. Hein. Ce chat, je vous le dis. Bon, faut pas d'eau comme lui, hein, parce que je suis fatiguée de me battre avec lui, surtout. La gazette, là, elle va taper. Il a peur de rien. Yeah. Il croit pour jouer, lui. Oh, qu'il est con. Il a tapé dans ma gazette. Je vous le dis, je vais pas l'engueuler. À chaque coup... Il n'y a qu'avec son père qui l'écoute. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que là, j'ai fait du blabla pour rien. Et après le montage, je vais encore me prendre des siècles. J'ai déjà commencé ce montage-ci, de ce vlog. Je ne sais plus à combien j'étais. Je... Oh, je suis déjà à ça. Du coup, il ne faut pas que je traîne de trop. Mais je ne sais pas, je pense que comme on est mercredi, ou ce soir ou demain matin, si j'ai le temps, on verra bien demain comment va se passer avec ma tantine. Je conclurai ce vlog comme ça jeudi soir. Je le terminerai peut-être déjà demain. Enfin, peut-être, je sais pas. Je vais voir combien j'ai le temps. Mettre ça déjà dans l'autre partie. Le mettre non, en préparation du vlog. Comme ça, le vlog il sera prêt. Comme ça, je perds moins de temps que si je fais par contenu. Enfin, par contenu en fait. Je prends cette partie-ci que j'aurais parlé. Je regarde ce qu'il faut que je coupe. Et puis, je l'insère directement sur le truc. Puis, ben, comme ça, je vois où j'en suis aussi. Et comme ça, je peux venir conclure le vlog plus vite ou pas. Bon, allez, je vous laisse. Il est quand même 8h20. Je vais finir de m'apprêter. À part avoir fait mes cheveux. Parce que, quand même, pour vous parler. Mis mes lunettes. Enfin, laver mes lunettes pour vous parler. J'ai encore rien fait d'autre. J'ai déjeuné, quoi. Et m'occuper d'eux parce que je me suis levée, était aux toilettes. Oh, j'étais pas l'équipe chatouille aux toilettes et me donner leurs bonbons là. Maintenant, je vais regarder s'ils ont de l'eau. Je sais qu'il faut que je remette des croquettes. Du coup, je vais aller remettre ça, de l'eau et des croquettes. Et je vous dis à plus tard. Bonjour, mon petit ça. J'espère que vous allez toujours si bien que ce matin. Là, il est 10h et je viens d'avoir deux petits colis. Je sais c'est quoi parce que c'est moi qui les a. Prix. On va commencer par celui-là, c'est celui que j'attendais. Par contre, je pensais pas si gros que ça. Vous voyez pas, mais je vous l'ai déjà dit hier en plus. Il est trop beau. Il est un peu déformé. Regardez cette pipite. Du coup, c'est Rose Éternelle de Sophie Douchemin chez Plume Blanche. C'est comme le livre que j'étais occupée à lire, Lune Ardente, de la même collection. Et oh, qu'il est beau. Regardez les début de chapitre. Voilà. Ici, c'est une... T'es deux... Aimer et soit aimé en retour. Où tu connaîtras... lapsus de la société pour toujours. C'est là une réécriture de La Bête et la Bête. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Elle est petite. Je vais vous lire les quatre phrases là. Enfin, jusque là. Là, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un petit mot de l'auteur. Oh, il a abîmé là. Voilà ce... Voilà que le destin guidé par les pas de Mélina au pied de la mairie le mystère d'arbres couverts de roses protège et gardien d'une famille royale déchue dans l'ombre roche
robe, une bête monstrueuse et redoutable. Mais Mélanie verra à pouvoir pour sauver les siens. Il ressemblait à un prédateur dangereux, sauvage, et il était aussi autre chose, quelque chose indéfiniment. Il est trop beau. La couverture est magnifique. Comme je redis dans ce bloc Plume Blanche, ils font des super, super bouquins. Si je l'aurais eu hier, je crois que je l'aurais commencé. Mais ouais, voilà. J'aime bien. C'est encore avec une carte. Oh, quand il y a une carte, il faut réfléchir. J'aime pas ça. Ça a l'air écrit un peu plus grand que l'autre. Voilà. Et le papier est très beau. Il n'est pas blanc, il est un peu beige. Parce que vous voyez plus blanc. Un peu beige, brun. Il donne bien. Voilà. Oh, mais regardez, c'est début de chapitre. Oh, trop beau. Oh, c'est magnifique. Voilà pour ce colis. On va pas passer 2 heures. Je suis un peu déçue, il est abîmé, mais voilà. Le deuxième. Je suis trop impatiente. Celui-là, il vient de chez Etsy. Sa boutique, c'est Gam. Je ne vais même pas vous regarder. Si j'arrive à l'ouvrir. Et comme il y a mon adresse en grand là devant, je fais attention. Vous allez voir déjà un bout. On fait ça à l'arrache. Bon, je vais les retirer pour que vous ne voyez pas quand même. Oh, je suis trop fan. Oh, qu'est-ce que j'ai eu? Oh, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu, ben voilà le nom de sa boutique, c'est GameStyle 21. Je vous mets pour que vous le voyez bien. Hop. Sur Etsy, j'ai eu un petit thé à la menthe. Ça tombe bien, j'adore la menthe. On dirait qu'elle me connaît. Et après, j'ai craqué pour une petite pochette. C'est une pochette format poche. Vous voyez, c'est format poche. Et alors, vous voyez... Là, on a la bête. Là, on a... c'est Jafar. Là, on a Chapelier. Là, on a Bambi. Là, on a Woody. Là, on a Dumba. Là, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire c'est qui. Elle était coupée. Et derrière, on a le Chapelier. Oana. Là, je ne sais pas. Ah, ça doit être Peter Pan. Là, je sais. Je suis là, je ne saurais pas vous dire. Si vous savez, vous me dites Alice Maléfique. Et là, on a. Oh, je ne sais plus le nom. Oh, ils sont la montre. Et dedans, il est mis noir. C'est vrai qu'elle aurait dû mettre une petite couleur pour sortir. Et le deuxième qui me fait craquer. Mais vraiment craquer. C'est un. Vous voyez pas les dessins, c'est des petits stitch. Regardez la stitch en je ne sais plus quoi, en damasien. Oh, c'est comment elle voilà quoi. Là, plein de avec souillon. Là, en capitaine crochet. Là, en Jessie. Oh, comment elle s'appelle encore? Vous voyez, là, il fait Cruella. Il est trop beau. Derrière, il est noir. Là, on a les anses. Ceux-ci sont en tissu, les anses. C'est bien fait. C'est la preuve que c'est fait main. Oh. Le truc qui est un peu truce, c'est qu'il n'y a pas de bouton ni rien du tout. Et il est de noir dedans. Voilà, c'est un top back. Trop beau. Je vais aller faire mes courses là, dans 2 minutes, je pense. Je vais le prendre avec moi. Je vais déjà le... En plus, je venais
Elle venait de me faire un... C'est aujourd'hui ou hier? Enfin, je venais de voir que je peux remettre dans mon bullet journal que je l'ai eu. Du coup, je vais faire une petite... un petit message sur Instagram pour lui dire que je l'ai bien reçu et que je le remercie. Voilà, c'est les trucs, les trois petits trucs que j'ai. Enfin, j'ai quand même eu un beau colis, quoi. Voilà. Et non, il y a encore une pochette qui va arriver parce que j'ai craqué hier soir. Voilà, il faut que j'arrête. Voilà. Je vais vous laisser et je vais aller sur Instagram en vitesse pour lui dire merci. Et n'oublie pas, n'allez, n'hésitez pas à aller. C'est une chouette fille. Elle répond à vos messages. Elle est sur Instagram avec le même nom. C'est Etsy, sa boutique. Franchement, elle fait des super, super trucs. Enfin, trucs. Elle fait des belles pochettes, des beaux sacs. Je crois que c'est tout que j'ai vu pour le moment. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà. C'est vrai que je pourrais essayer de lui demander un petit code promo. Enfin. Mais ici, au mois de janvier, elle a fait des codes promo. Enfin, je crois que c'était 10%. Mais j'ai pas eu le crédit d'aller acheter. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour, monsieur du sol, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Aujourd'hui, on est vendredi, mais. 14, 13, on est le 12 si je dis pas de bêtises, vendredi 12, parce que j'ai pas ma montre, elle est en train de charger, du coup voilà. Et que il est, il va être 10h, il est moins quart, du coup voilà. Hier, jeudi, je vous ai pas repris parce que j'ai une très longue journée, du coup voilà. Attends, les jouets, mais on peut rien, c'est les animaux qui jouent, du coup voilà. Bon, je disais que hier, je ne vous ai pas repris samedi. Samedi. Je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi. J'ai les animaux qui me cassent les bonbons le matin. J'ai déjà fait ma vaisselle, nettoyé. Voilà. Ici, je voudrais bien aller prendre ma douche maintenant. Mais là, il est 10h. Enfin, il va être 10h. Et je disais que hier, jeudi, je ne vous ai pas repris parce que j'ai une longue, longue journée. Voilà, j'ai eu des petits soucis de mercredi. Je sais même pas si mercredi je vous ai pris, je pense que oui, mais je vous ai pas parlé au soir. Voilà. Mais en fait, mercredi, ma tante est rentrée à l'hôpital, mais ça c'était, on le savait, c'était prévu. Et ma mamie a fait une petite chute dans les escaliers. En fait, elle a raté la marche et elle a un plat de marche. C'est un attelle qu'on dit. Ben, c'est un plat, quoi. Comme ça, je vous savais. Voilà. Du coup, ben voilà, c'est la journée. Oudi, tu n'as pas compris? Fatigant. Du coup, c'est la journée à donner un coup de main à tout le monde. J'ai été chez ma tante, lui donner un coup de main comme elle venait de rentrer de l'hôpital. Enfin, elle devait aller s'écarter des artères près du cœur. Et on l'est rentré par la main. Ici, je crois, la main, je ne sais plus exactement, c'est là ou là, pour aller au cœur. Et mais lui, je vais l'attraper après, je vais le zigouiller. Il m'emmerde, je vais le foutre dehors. Je rigole, hein, je vais pas le zigouiller, je vais le foutre dehors dans le couloir. Voilà, vous avez peut-être l'entendre pleurer. Là, j'ai encore tout ça à ranger. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je n'arrive pas à rattraper mon retard. Il recommence. Je suis coupée toutes les 2 minutes, ça va pas le faire, hein. Bon, du coup, je disais que hier j'ai donné un coup de main à ma tantine, et du coup, elle devait écarter les artères près du cœur parce que son médecin, machin, qui lui a fait des tests à l'effort, avait une suspicion de qu'un artère était bouché. Du coup, elle est rentrée, elle devait rentrer, elle est rentrée mardi soir et elle est ressortie mercredi soir. Et s'il y avait un problème, elle sortait jeudi soir, mais elle est sortie mercredi. Du coup, jeudi matin, j'étais vite lui donner un coup de main pour donner un gros coup de torchon. Ça a été fait. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre?
Ben, j'ai dû aller donner un coup de main à ma mamie. Ça fait 3 jours qu'elle... Depuis mardi, je crois. Ouais, depuis mardi, elle dort en bas. Du coup, je lui ai descendu mardi soir. J'étais chez elle, je lui ai descendu ses coussins, ses couvertures. Mon papa l'a mis la crème et l'a bandée. Elle ne savait pas marcher. Du coup, elle était dans le fauteuil avec le pied un peu en l'air. Mercredi matin, mon père a 8 up, up. Vers 8h, 8h30, l'a embarqué en urgence. Du coup, voilà. Et voilà. Puis mercredi après-midi, je crois que c'est ça, je ne sais peut-être pas repris à ce moment-là. Enfin, soit, j'ai été faire à manger à mon tonton. Mais quand je suis rentrée, j'ai la migraine encore. Je ne sais pas ce que j'ai pour le moment. J'ai une migraine qui me donne des yeux à la tête. Du coup, je me suis reposée. Quand je suis rentrée, j'ai fait à manger et j'ai plus rien fait d'autre. Je sais même pas si j'ai lu. J'ai pas lu beaucoup pour le moment. J'arrive pas à lire en fait. J'ai une petite panne de lecture. Voilà. Hier, j'ai pas lu parce que je suis rentrée de chez ma tantine. Il était autour de midi et demi. Ce que j'ai fait, j'ai fait. J'ai mangé, je suis rentrée, j'ai mangé. Je me suis regardée, j'ai commencé à regarder un épisode, c'est 45 minutes de Lupin, voilà. Et je me suis reposée un petit peu, une petite demi-heure, 1 heure. Et puis, je me suis préparée parce que j'avais cours au soir, voilà. Et quand j'ai terminé, j'ai maté un film. Mais le film, c'était Police. La police. Voilà. C'était avec Omar Sy et. Je sais plus son nom. C'est une qui fait la météo à RTL. Voilà. J'ai trouvé ça en streaming. Du coup, on s'est regardé ça. Monsieur l'a pas vu au bout, il s'est endormi. Moi non plus, j'ai arrêté un moment. Il restait même pas 20 minutes. Enfin, il restait même pas 10 minutes. J'ai coupé et on est endormi. Il était 23h. Papote. Et en même temps, je voulais vous revenir parce que je pense que je vais conclure le vlog aujourd'hui. Parce que après-midi, monsieur a commencé plus tôt. Il a commencé à 6h, 6h30. Pour finir à midi et demi. Et du coup, voilà. Parce qu'après, j'ai un gamin qui vient m'ennuyer. Je sais pas si je ferai un vlog avec lui. Je sais pas si la semaine prochaine vous aurez un vlog, par contre. Je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Du coup, je voulais vous montrer quand même ma lecture qui est toujours en cours. C'est toujours Love in Lingerie de chez Hugo Poche dans la collection New Roman d'Alexandra Torst. Je sais pas comment ça se dit, Torst. Voilà, je suis à la page. Ah oui, j'ai quand même avancé. Je suis à la page 117. 71. Je sais plus ce que je veux dire. J'ai vu 1 et 7, du coup j'ai dit 117. Je suis à la page. Oh. Et voilà. Et voilà, je suis lavée, habillée, prête pour attendre monsieur maintenant. Je vais continuer à monter le vlog. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je viens de vous faire la vidéo de la box que vous allez retrouver, je ne sais pas quand, et ce sera sur le thème de rétro gaming. Voilà. C'est une pépite. À part un truc que je suis un peu truce parce que je l'ai déjà, mais ça vous la verrez dans la vidéo qui sortira si j'arrive à la monter lundi. Non, pas lundi, si, ce sera pas possible. Je sais pas, je vais voir. Allez, j'ai peut-être mercredi ou vendredi, si je fais la montée, vous l'aurez. Voilà. Et non, mercredi, je vais la monter directement. Je vais finir le vlog là. Enfin, finir de le monter. Je conclurai peut-être tantôt. Et quand le gamin sera là. Et qu'est-ce que je vais dire? Je conclurai le vlog, je le mettrai pour samedi qui est demain.
En fait, je conclue maintenant et je l'ouvre un maintenant. Je pense que je vais faire ça. Je vais la conclure maintenant et je reprends un autre. Ce sera le même de samedi à samedi. Voilà. Parce que je sais pas si je reprendrai toute la semaine aussi. C'est ça. Parce que j'ai le gamin de notre ami qui va venir juste samedi, dimanche, lundi, mardi. Du coup, je ne sais pas si je reprendrai ces jours-là. Bon, je vais essayer quand même, hein. Voilà. Il faut que je finisse de m'apprêter parce que là, il faut que je fasse un peu mes sourcils, mes petits poils qui restent là. Je suis fatiguée. J'ai les yeux comme des canards. Je suis pas prête d'aller me coucher, surtout ce soir. Voilà. Bon, du coup, je vais conclure ce vlog. J'espère que ce vlog vous plaira. J'espère qu'il sera pas trop long. Jusque maintenant, là, j'ai 36 minutes. Avec ce que j'ai comme rush là, je ne sais pas. Il va faire, allez, peut-être 50, une heure. Peut-être 50 minutes. J'espère. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans le prochain vlog qui sera pour la semaine prochaine, samedi. Samedi, je ne sais pas combien on sera samedi. Nous, demain, on sera demain. Pour celui-ci, ce sera le 13. Et pour le prochain, ce sera le 20. Voilà, j'aime bien ce format de vlog. J'espère que vous aussi vous aimez bien. Je sais que pour le moment, j'ai pas beaucoup de vues sur mes vlogs. Bah, on verra. De toute façon, moi j'aime bien, c'est le principal. Pour le peu qu'il y en a déjà sur ma chaîne. T'es-tu? Je sais pas combien de vues. J'ai 9 vues sur celui-là. Celui de la semaine passée. Bon, c'est déjà pas mal, hein. J'en ai 11. Oh, bah ça va quand même, ça monte. Ouais, ça va. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard.